Confirmée. On a localisé ses coéquipiers. Ennemis déployés dans la zone. Surveillez le ciel. Fin de la résurgence, il n'y aura plus de seconde chance. Les caisses de ravitaillement sont de nouveau. Dommage, 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 dommage. Ah. Si j'avais une mon arme de long range, je m'en serais peut-être mieux sorti. On skill quand même, hein. D'ailleurs, encore une fois, il y a un kick qui n'est pas compté, je sais pas pourquoi. Mais belle game avec le fusil à pompe là qui défonce tout. Bon, celui qui m'a tué, c'est celui qui fait top 1, ça me rassure. Et yo les petits potes, c'est Rookie, du coup, pour la classe, c'est le Lockwood 300, le Lockwood 300 de Warzone 2. Attention, c'est une arme de MW2, hein. Et voici la classe que j'ai utilisée. Grosso modo, les trois accessoires à gauche, c'est vraiment pour tout ce qui est portée des dégâts et contrôle du recul. La crosse, c'est pour la mobilité, tout ça. Et surtout, l'accessoire important qui fait que ce shotgun peut tuer une balle, c'est du coup la gâchette double détente. En réalité, c'est pas une balle, c'est deux balles, puisque ça tire deux balles d'un coup. Mais si vous voulez, en un coup, vous pouvez littéralement mettre votre mec à terre ou le tuer. Ça fait un des dégâts de zinzin. Et si vous voulez pas débloquer, comme moi c'était le cas, vous avez juste deux défis du jour à réussir.
Donc c'est globalement très rapide. Voilà. J'espère que vous avez bien kiffé le gameplay et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.